Eh bien, bonjour à tous, c'est le passionné automobile. Oui, une vidéo quelques minutes après, celle où je vous montre à quoi ça sert la vidéo de la bougie de préchauffage. Vous invite à aller la voir après. Pour ça, j'aurais enlevé les caches moteurs. Bref, tout ça pour vous dire rapidement, pour compléter, hier, je vous expliquais rapidement ça sert à quoi l'injecteur. Bon, là, c'est pas pareil, hein. L'autre que vous avez vu, c'est un de W211. Là, c'est une classe CW204. Voilà le bloc moteur. En fait, on a ça, une rampe commune en français, appelée common rail en anglais. En fait, dans cette rampe commune, elle va déjà prendre le carburant. Hop! Elle va déjà prendre le carburant. Et il sera déjà à très très haute pression. Du coup, quand les injecteurs vont venir piocher ici le diesel, il sera déjà à haute pression. Et dans l'injecteur, il va encore être injecté avec beaucoup plus de pression. C'est pour ça qu'on arrive à des. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à des. À injecter jusqu'à 2000 bars, comme je vous ai dit. C'est phénoménal. C'est pour ça qu'on arrive à de telles pressions. Grâce à cette pièce qui sera déjà sous pression et qui va déjà venir piocher et va déjà re-être distribuée sous pression. Voilà la pièce que je vous montrais, hein, l'injecteur qui va jusqu'à la chambre de combustion qui est en bas, voilà, plus bas. Bas dans la culasse. Et voilà, c'était pour ça. Et au revoir. Et prenez soin de vous, hein, surtout. Allez, au revoir.